Bonjour, Minecraftien, ici CLB35 pour la troisième partie et dernière normalement de l'introduction de Minecraft Zet Offert. Ça avance à grands pas et on est impatient de vous ouvrir les portes. Tarjoff a un petit truc à vous dire avant qu'on repasse sur votre channel public. Donc, comme vous vous rappelez, normalement, si vous avez regardé la saison précédente de MVO4, je m'étais donné le défi de pas mourir, qui a lamentablement échoué. Je sais plus comment j'étais mort, mais ça a lamentablement échoué. T'es mort une cinquantaine de fois, mec. Au final, mais la première, parce qu'après j'ai plus fait gaffe, quoi. Mm. En gros, je suis mort une fois, j'ai plus fait gaffe après. Oui. Mais voilà, et du coup, je me suis relance. C'est CLB qui m'a fait penser, je me relance le défi ici, sauf que je change un peu les règles parce que le Minecraft Mania classique m'ennuie beaucoup. Mm. Donc, j'ai modifié un peu les règles. Je m'interdis le port d'armure, mais en échange, j'ai le droit à des effets. J'ai 20 points de vie continuels. J'ai du moins 40 points de vie au lieu de 20. Ça fait vainqueur. J'ai un effet de résistance 2 constant, force 2 constant. Je régène et je gagne de la saturation pendant peu de temps à chaque fois que je kill un mob. Et j'ai pas le droit à l'épée en diable non plus, en plus de l'armure, de l'absence d'armure. Voilà. Ce qui lui permet d'avoir un défi supplémentaire, ce qui peut être très intéressant. Donc Tinjoff est un seigneur du temps et des propriétés physiques. Et j'ai aussi un fire résistance. C'est ce qui lui permet d'avoir une partie au gameplay un peu modifiée pour le blaser un petit peu moins. Je ne pense pas qu'on appliquera ses propriétés à d'autres membres parce que lui c'est un Time Lord, donc il fait ce qu'il veut. Ce sont des choses intéressantes. Maintenant on va aller un peu à la découverte de tout ce que les membres ont pu construire entre temps. Donc je nous switch vers le channel public. Donc attention, c'est Ipar. Assassin. On est en compagnie de The Creepy pour cette troisième partie d'introduction. Il vient de débarquer et donc pour ne pas le vexer, on fait quand même une partie d'épisode 0 avec lui. Et voilà. Parce que sinon il allait triste et il allait vous faire habiliter. Vraiment désolé, j'ai dû user déjà mon droit de game mode pour faire ben du vert pour ma carrière P10. T'as vu comme il cheat? Ah oui, c'est du cheat. Non mais les opérateurs ont droit d'un tout petit peu de cheater, mais ils savent ce qu'ils font normalement. Hein. J'ai pris que des gens matures, éthiques, responsables. Quelle connerie. Moi je sais ce que je fais, regarde. Moi regarde, je fais juste du vert pour courir ma carrière, juste pour qu'on puisse voir à ma conscience. Si moi, j'ai cheaté, t'es déjà. Se ramène avec un couteau, j'ai mouru. Moi en soi, par mon défi, j'ai déjà cheaté. Sauf que je me pénalise derrière. Il n'a pas droit à l'armure, et puis s'il meurt, son défi est échoué. Salut Frosty, ça va? J'ai un défi et je n'ai pas le droit à l'armure. Je dois pas mourir. Bienvenue dans l'abri Pélis. Abri très effets. Légal où n'importe qui peut y aller. Bon, voilà. Moi, j'ai un peu d'amour. Salut 35 est le fondateur de l'AMC4, vidéaste de génie et demi-dieu, et de relations entre Joris et une humaine, a fondé l'AMC4 Team en 2013. Beaucoup de membres depuis sont partis, paix à leurs âmes. Demi-dieu, quoi. Tiens, on peut faire aussi une bio pour Joris. Carrément. Et le problème, c'est qu'il faudrait remodifier le design. C'est pas un peu pour faire un bâtiment à son effigie, mais... Ouais, Joris, tout le monde sait qui il est. Bah oui, Joris, bah, pas forcément, non, les petits noobs. Il est bien trop connu pour que tu demandes qui c'est. Désolé. Voilà, c'est ça. Joris, préparateur de kebab. Joris, préparateur de kebab. Et Dieu, on devrait faire une animation 3D pour Joris. On devrait faire une animation 3D pour présenter Joris. Genre un truc à la Jostoff, mais une parodie avec Joris. Joris, ses parents ne savaient pas quoi choisir entre Joël et Boris. Joris, c'est le plus grand de l'univers. Joris, il a fondé la MC4T. Est-ce que tu te rends compte à quel point ton chant est faux, bâtard? Désolé. Ah bon? C'est pas une brute, Joris. Enfin, c'est une brute. Bah, tant que tu fais pas tant que tu fais pas chier. Comme n'importe qui, tant que tu le fais pas chier, tout va bien. Donc, on a mis de Frosty. Mais si tu le fais chier, pas parce qu'il est pas parce qu'il est chiant, mais simplement parce que son clavier est chiant. Parce que en boucle dans les vidéos, ça va bien. Et bah non, c'est un délire entre moi et Watershock sur Twitter, mais vous pouvez pas comprendre si vous ne suivez pas le Twitter de la MC4Team, @MC4Team, venez nous follow. Et plus sur Facebook en ce moment. Facebook. Oui, Facebook. Facebook. Non. Pour la bonne et simple raison que c'est le seul moyen de vraiment suivre les activités d'une artiste que j'aime beaucoup. Voilà. Pourquoi? Elle dessine des... J'allais dire de la merde. Et j'allais dire
Est-ce qu'il y a des enfants qui regardent les... Oui. Oui. Oui, ah, et ton abri machin, là, c'est déjà beaucoup. Voilà. Hein, on a mis un Peggy 10 sur la série, de toute façon, donc... donc interdit au moins de 10 ans. Parce qu'on a entamé la série avec moi, non mais... C'est, oui, ça, va parler, voilà. Ça va parler sale hein, avec moi. Hein, le problème, c'était irresponsable de l'imposer. MCK Team a toujours été irresponsable, mais bon, là je joue pas Deadpool non plus. Problème que je veux souligner avec Creepy. Quoi. Enfin, CLB. Ouais, voilà. C'est la seule raison pour laquelle on a un peu hésité à te mettre OP, mais on sait que de toute façon, tu sais faire le discernement entre gentil délire et foutage de merde. Oui, parce que bon, entre gentil délire, de toute façon, si je fais un truc de merde, genre si je fais un truc de TNT, c'est très simple. Là, je vais aller dans le Nether et je le fais là-dedans. De toute façon, le Nether, c'est la poubelle du monde. Hein, tout ça, tout le monde le sait. Oui. Ah. En plus. Oui, mais l'Ender, il y a le dragon qui plane. De toute façon, l'Ender, j'ai fait une petite modification. Je suis allé dedans il y a 5 minutes pendant que j'étais pas sur le channel. Je suis pas allé dans l'Ender, mais je suis allé trouver le portail. J'ai remplacé un des portal frames par tout bonnement. Un bloc de bedrock avec un panneau dessus et écrivant dégage bolos. Devine comment je me fais de l'XP, CLB. Oh. Essaye de deviner. Avec la commande slash XP. Non. Voilà, donc là je profite de mes droits de jet. Tranquille. Non, essaye d'être plus original. Parce que slash. En tuant des mobs. En slash summon des mobs. En faisant cuire de la cobble. Ah oui. Oh. Effectivement. Ça marche. En faisant cuire des minerais aussi, mais. Pas mal. Bon, j'utilise marre, 3 fers pour faire une hache, ça vous va? J'aurais pu oui, aider des minerais. Il y en a 42 qui viennent de te mettre à cuire. J'ai hésité à utiliser les diamants, vous en aviez pas. Je vais mettre comme ça parce que j'en ai marre de faire de c'est la construction. C'est pour ça que je suis en train de miner. Là, je suis en mode gros rageux, j'en ai ras le cul de faire de la construction. Game mode 1, voilà. Déjà, utilisation du cheat. Voilà, oh, vous êtes sûr que c'est une bonne idée quand même? Surtout pour économiser la stone. En fait. Bon, écoute, par contre, ne fais pas d'abus de pouvoir. Si jamais tu fais de l'abus de pouvoir, je me les ressources pour faire ma bannière, bordel de merde. Là, je veux juste te dire un truc, c'est juste parce que j'ai extrêmement la flemme de farmer un truc sinon. Ouais, mais ça va casser le jeu sur les admins. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai flemme. Économisé quoi? Allez, 9 de stone et peut-être 2 minutes le de minage. Mais minage de stone, c'est tout. Hein. J'ai juste le, zombie qui le seul truc que je me suis dit, vraiment, c'est du verre. Part dans les murs de la forêt. Je sais pas qu'on va me tuer pour ça. Je vais chercher des moutons, j'en ai marre. Je vais te assassiner parce que je me suis give du verre. Non, t'inquiète pas, mais moi je ne le ferai pas en tout cas. Frosty, oui. Voilà. Je t'écoute, Frosty. Non, je déconne, c'est bâtard. Voilà, j'avais envie de j'avoue. Ah, purée, je me suis fait un bouton de TP pour aller chez moi, parce que j'en ai marre. Maurice, le plus grand de tous les breux. Quoi? J'ai embouffé la terre promise. Je suis allé chez vous, et puis après, juste à côté, j'ai trouvé une île avec une super belle baie, donc je me suis installé là. D'accord. Donc en fait, on est un peu voisins. Me menace. Par le pouvoir des commandes. On n'est pas totalement voisins, mais un peu. Ouais, si vous continuez en sauvant le littoral, vous me trouvez. Viens chercher. Par contre, viens me chercher aussi, en bateau. Je pense que je vais te. En continuant. J'arrive, mais là, je fais un bouton pour aller au spawn. Donc, je vais devoir encore faire. Moi, franchement, j'ai rien d'autre à faute de cuire de la stone quand même. Alors, je suis désolé de t'avoir mute, Frosty, mais ça s'imposait pour l'épisode. Je crois qu'il est vexé le pauvre Grim Arsène. Des spectateurs. Non, je suis derrière, je suis derrière Frosty. Hein. Frosty. Et n'empêche, je viens de me penser un truc dans ma carrière, avoir foutu du verre, c'est super. Ça fait de la lumière gratos. Bah oui. Coco. Voilà. Et oh, je vois un truc. Donnez un string à Frosty. Putain, je parle anglais, merde. Bon, je vais devoir le faire, c'est ça, hein. Non mais ne lui donne pas de fil, je veux dire, il est pas au paye, il a pas le droit. Donc il donne l'exemple. Je peux lui donner, je suis au paye. Oui, mais t'as pas compris le concept. Tu décales ton micro. Il a décalé son micro, musique de la joie. Oui. Oui, bien j'arrive. Non, je suis pas concentré, vous êtes pas pareil. Putain. J'essaie d'envoyer une photo par disque. Ça promet. J'aimerais savoir si ce serait pas un des items oui, caché. Ah, c'est bon. Mais en fait, oui, comment est-ce qu'on les trouve? Mais je veux juste un fil. Bah oui, mais va le chercher ton spirit. Ne touche pas. À chaque fois,
D'accord. C'est juste pour savoir. Hein. C'est juste pour savoir. C'est un item secret, c'est pas du tout. Moi, c'est chercher des moutons pour l'instant. Il y a un item secret qui est vachement proche du spawn, je sais, il est en forêt, mais bref. Vous le trouverez en temps voulu. Comment tu trouves les trucs secrets, en fait? Ils sont placés. Ouais, mais il faut pas les trouver. Il y a une border à 3000 blocs. Et réparti aléatoirement sur la map à la hauteur 100, il y a des coffres. Voilà, c'est pour C'est toi qui voulais que je vienne, Tinjoff. Attends deux secondes. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu vous afficher le screen au moment où j'ai rien à voir, moi. Et mon bateau est parti à la dérive, bien sûr. C'était merde, Frosty. Comment dire? On a un problème. La carrière du pays, oui, sa mine. Pas grave, mais il va falloir qu'on fasse des parties communes. Ah, mais voir, regarde. Creepy, moi je m'arrête ici. Moi je m'arrête ici en fait. Bah, très bien, moi de toute façon je vais faire une porte. Nanana. Regarde, on coupe. Regarde derrière toi. Oui, j'avance. Je ne ralentis pas. Mécréant. Et on arrive dans la grande baie avec le petit phare en lapis azur. C'est sympa la baie. C'est mignon. Les mecs. C'est une petite île comme ça. Ouais. Underboy vient de m'envoyer un screen. Un item secret. La joie. Underboy, bon, faut pas s'inquiéter pour tous les bateaux. De quoi? C'est pas une baie, hein. C'est Spirit Wolf. Oui, aïe. Bon, faut que je fabrique encore des portes. Mince, petit lag. Fanax, c'est pas une baie que t'as trouvé, c'est un bat-mer carrément là. Bon, je me rappelle d'un moment où les portes. Oh, c'est une baie. Grande baie. Plein d'un coup. Ah oui, j'ai vu un squelette. Il avait un arc enchanté. Je le tue, j'ai son arc power 1, breaking 1. Moi j'ai un arc punch 1 sur un squelette. Bon, c'est bien. Mais moi j'ai beaucoup de charbon. Moi je sais pas pourquoi, mais j'ai de la chance pour trouver du charbon. Par contre, pour trouver du diamant, j'ai demandé à tout le monde. Oui, c'est les probabilités de base. Le diamant, parce que le diamant c'est un peu plus rare que le charbon, tu vois. Un peu quand même. Rossi, hein. Tu viens de rentrer dans la carrière Pélis. Non, je viens de sortir. On n'a pas pourquoi sacrifice d'émeraude, ceci dit, on a des sacrifices de crédit fréquence maps. T'as remplacé une lettre pour la censure, c'est ça? Ouais. Creepy, oui. T'as remplacé une lettre pour la censure? Ah bah non, c'est P, E, petite étoile, il va chez des cochons, il y en a à peine. Ça peut être P, il y en a zéro. Mais il n'y a pas d'accent à E, hein, donc tu peux marquer ce que tu veux. Hein, c'est libre de droit. Pour le coup, mon abri, tu l'appelles. Oh, bon, hein, dans le Stropole en description, vous pourrez voter si vous voulez qu'on mute Frosty ou non à cause de son clavier. Écoutez. Il y aura trop de Stropole dans les descriptions, ça va commencer. Il y aura un Stropole par épisode, ça pourrait être sympa. La maison. J'ai juste voir un truc. Alors, Spirit. Par contre, ce qui est bien pour les game modes, c'est que je peux voir aussi. Water. Alors, Water. La maison te plaît? La forme. Ouais, c'est pas mal, ouais. Moi, je suis en plein milieu de la forêt. Et d'ailleurs, c'est. Est-ce que t'as du bois? J'ai trouvé en plein milieu. Oh, y'a rien dans mon coffre aussi. Non, mais je sais, mais cherche. Un œil de l'Ender. J'ai bien dit un œil. Aussi, regarde. Où est-ce que t'as trouvé un œil de l'Ender? En plein milieu de la forêt. Ah, mais ça, c'est moi. C'est juste de voir que. Pas soutre. Comment on fait des stone bricks? Je sais plus. Tu prends de la stone et tu les mets par 4. Voilà. Tiens, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment même. Une carotte. Comme ça, tu pourras faire des choses avec. Et en moi, envoie un fil, s'il te plaît, du coup. Ben, Jeff, t'aurais du cuir. De quoi? Non, moustache. On en a qu'un cuir. Mais c'est moi qui l'ai. Foiré. Sauf que moi, je suis en plein milieu de la forêt. Bon. T'as l'air de beaucoup vouloir un fil. Eh oui. Ouais. Bon ben, j'ai cédé. Bon alors, je préviens. D'ailleurs, j'ai donné une carotte à Creepy pour ça. Sur cette map. C'est officiel. Merci. Donc, un mouton, hein. Je suis complètement paumé dans. On détruit pas la prise, petit con. Dans un biome jungle là, mais y a rien, y a zéro. Même en faisant du repérage sur la map, même en posant tous les systèmes secrets, il n'y a qu'une seule fois où j'ai vu une jungle. Alors que pourtant, j'ai visité énormément d'endroits. Hein. Les jungles sont très rares. Bah écoute, vraiment paumé. Je suis en plein milieu de champignons et de forêt. Hein. Ah oui, bah si c'est dans une grosse forêt, c'est évident, c'est moins rare. Ah ouais, t'as raison. Mais forêt, bon, je confonds les deux, c'est vrai, mais. Oui, la jungle des grosses forêts, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le biome champignon est presque devenu moins rare que
que les jungles maintenant. Ça me rend triste sur les bords parce que franchement putain, le biome jungle quoi, je veux dire. Sur un. Casser les couilles à le trouver, merde. Non, c'était bon. Il y a aucun mouton, c'est sûr, parce que là je tombe même sur des ânes. Il y a aucun mouton, c'est sûr. T'as l'esprit. Si on veut de la laine, on fera un truc exprès pour nous et on ira chercher le mouton. Bon, moi je vais pas là, je fais ça et j'y vais. Sinon, on est obligé. Donc, les endroits. On est obligé de... Voilà. Les endroits où j'ai mis. Par contre, c'est quoi les coordonnées? T'as joué au footballeur, c'est quoi les coordonnées de votre maison? Je sais pas, attends. Je suis le premier, moi. Faites-vous un bon vieux bouton de TP. Bon, bah, moi pour l'instant, je suis en train de faire des. Est-ce qu'il y a du boulot pas loin? J'ai une envie de boulot. On est dans une barque. Comment tu veux que je fasse un bouton TP, moi? Je m'en occuperai. Pour l'instant, ils vont trouver du travail. Là, je vais y aller. Je crois que tu fais un peu d'abus de pouvoir, The Creepy. Mais je fais pas du tout. Tu veux du boulot? Bah, tiens, j'ai du boulot si tu veux. Oh, du boulot, on ça. Tu peux faire un jeu de mots très drôle. Attention. Non, mais je veux dire, je cherche du bois de boulot, moi. Bah oui, justement. Oui, je cherche pas du travail, hein, c'est pas Pôle emploi. Parce que si vous voulez du boulot, vous pouvez travailler dans ma mine, hein. Tiens, viens. Je suis pas mineur. Ça, je sais pas si c'est celui-là ou celui-là. Oh, une fois. Alors, Ah bah, j'ai pas le blanc. T'as j'ai faim. En face de toi. En face de toi, Selby. Bah. Ah bah oui, il y a du boulot ici. MDR. Ah bah lui, il m'a volé mon truc. Il dit y a pas de chômage. Attends. XD. Hein. Attends, CLB, tu veux du boulot? Putain, oui, je veux du boulot, mais je veux pas que tout le monde m'en donne en même temps. Oh là là. Bah, va couper du bois. J'ai besoin d'une vingtaine de. Tu veux du boulot, va couper du bois. 31 et un secret puis 31. Ah, merci beaucoup. T'inquiète. Je peux revenir en paix. J'ai deux autres stacks, t'inquiète. Putain, mais où est-ce que vous allez tous autant que vous êtes là? Spirit, ouais. Je vais y aller, je te dis juste, là, tous ces endroits, tu mets des portes, mais des portes en bois de boulot. Ok, je suis ici. Boulot. Putain, j'ai du mal alors. Ok, je vois. Spirit, là, mais là. En face. Oui, je vois. Watershock bat d'ores et déjà le record de mort, comme il a l'habitude de le faire. Et moi, je suis toujours à zéro mort. Mais toi, j'espère. C'est ton défi. J'ai très hâte que le serveur ouvre et je pense qu'on fera une inauguration genre samedi ou dimanche. À savoir demain ou après-demain. Donc j'espère vraiment que ce sera fun. Ou peut-être pas, peut-être la semaine prochaine, mais en tout cas, je sais qu'Eldaemon est là demain ou après-demain, donc on tournera forcément du MVO demain ou après-demain. Après, bon, une introduction partie 4, ça ferait beaucoup. Bye bye. Mais sérieux, je crois la laine, on est obligé de se la guider. Il n'y a pas le choix là. Moi j'avoue, est-ce que je pourrais juste avoir une selle s'il vous plaît? Parce que là c'est magique. S'il vous plaît. Ouais, pas allez, give lui. Ceci dit, ce serait bien qu'en échange, tu donnes des crédits fricards. Arrête, t'as gagné un concours. J'ai gagné 150 crédits sur Freecraft Maps car c'est un concours qu'ils ont eux-mêmes organisé. Ça fait combien de temps? Ça fait quelques jours. Ah, ouais, j'ai sur Twitter ça. Non, je veux dire, ça fait combien de temps que. Enfin, ça fait combien de temps de mois? Enfin, ça fait combien de mois de. Oh, mais tellement de loot, mec! Je viens d'avoir les bottes Breaking Crawl en golden. Sur un squelette. Je donne le lien de la candidature à Underboy. Hein? Moi, pas avoir compris. Je donne le lien de la candidature pour entrer dans le serveur en avance à Underboy. Wither a accepté d'office parce qu'on connaît bien. Under un peu moins, donc je le fais quand même candidater. Je pense qu'il rentrera dans le serve, mais on verra. C'est la méfiance, le pauvre. S'il n'a pas accepté, c'est quand même bien dommage, hein, parce qu'il est sympa. Hein. Du coup, vous pouvez me mettre la laine ou pas, s'il vous plaît? La laine, je dis la laisse. La selle, pardon. La selle. Et est-ce qu'on peut se giver la laine aussi? Ouais, la selle et la laine, tu sais ce qu'on se connaît. Tu me gives juste 3 laines et je suis bien. Bah, nous, il nous faut de la laine, on est plusieurs. Est-ce que je peux me giver une porte en acier? Ah, je peux t'en faire une si tu veux. Mine de l'acier et... Non, mais oui. Voilà. Bref, démerdez-vous, hein. Vous êtes en fer, je. Attends, bouge pas. Mais attends, Creepy, avant de cheater comme un gros porc. Attends, avant de cheater comme un gros porc, j'arrive. C'est ça que je demande avant de cheater. Est-ce que je peux ou pas? Non. Non, parce que j'en ai une. Bah, non. Ah, cool, t'en as une. Bah, tu veux la passer. Insérer source Mario, non. Non, non. En fait, je viens de cramer tout mon bois en échelle, moi, en fait.
Je suis en bois pénis là. Je suis au bois, enfin au l'abri pénis moi. Je te rappelle que tu sais là, en bas de la mine, j'ai. Oh, allez, regarde. Je regarde ici. Ah, super, merci. Les Iron Doux. Voilà. Ensuite, appuyez sur. Ben là, comme je suis enfermé moi-même, hein. Comme je suis. Et voilà, c'est un sas de sécurité. Je suis en train de filer des liens. Bon, à plus. Ouais. À plus. Pareil, bon, j'ai fait beaucoup de trucs hors cam là. Enfin, j'ai fait beaucoup de trucs sans me soucier trop du jeu. Je sais plus trop ce que je suis en train de faire. Je vais pas te laisser comme ça, tiens. Ouais, merci. Je peux avoir une de haine autorisée avec avec modération, mais oui. Pierre, vous voulez bien. Non, 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 Pierre, une selle. Putain. Une quoi? Une selle. Selle. Vous êtes droit CLB. Mais il m'avait dit oui, donc à part s'il veut pas. Ça de le. Ça de... Tiens, ramasse ta selle. C'est bon, ça a marché. Je vais faire des blagues aussi avec selle, si vous voulez. Slash ban, Mister. Il y a bien du sel, mais pas trop le poivre. Je pensais à d'autres types de sel, mais c'est pas grave. Et n'était ma cell phone. On parlait de des buffs. Pas mal. On en parle de la faille qui fait 50 qui fait 100 blocs de long ou... Pris en crédit, mettons 15. 16. Voilà. J'ai un putain de village quoi. Bon, moi je dois y aller, hein. Plus. Voilà. Bon bah Frosty est parti, donc on est un peu moins nombreux sur le serveur maintenant. Mais notre nombre n'est tout de même pas négligeable. Combien on est sur Discord? On est 1, 2, 3, 4, 5. On était 7 tout à l'heure. En fait, il y en a que 2 qui sont tirés. En fait, c'est lesquels 2 d'ailleurs? Il y en a un où j'ai. Je sais pas. Ah, mais t'as un job? Donc c'est. Ok, super. Putain, j'ai plus de. Tinjoff, oui, Tinjoff s'est tiré, oui. Mais Tinjoff. Les gars, on a la bouffe infinie, hein. Je trouve un village. Enfoiré. Alléluia. Ouais, mais je me suis barré à perpète, mec. Hein. Alléluia. Bref. Je vais me giver un lit, perso, parce que je sais qu'on va pas trouver de laine d'ici. Un petit moment. Bah, give un lit à tout le monde, au pire. Pourquoi? Au pire, Guy Valia, trop tard, ne le fais pas pour nous, j'en ai déjà 3 pour. Ouais, mais moi je veux bien un lit aussi parce que j'ai besoin d'un lit parce qu'en. Parce que je cherche. Enfin, non, je cherche. J'allais dire que ma maison est loin, mais j'ai des boutons de TP, mais quand même. Bah, en fait, moi je suis un peu loin en fait. Je dors pour 7 mon point de spawn. Bah, du genre, je suis en moins 800, 300 quoi. Je pense que tous les ennemis devraient mettre des boutons de spawn aux maisons quand même. Ce serait moins relou du coup. Ouais. Ouais. Des boutons de TP, je veux dire. Par contre, on voudrait donner peut-être un jour les coordonnées parce que bon, ça aiderait pas mal quand même. Bon, maintenant que j'ai fait l'intérieur, enfin presque fini l'intérieur parce qu'il faudrait tout en. Voilà. Bah, tout en. J'allais dire tout en fer, mais oui, j'ai envie de foutre tout en fer, hein. Ben voilà. Mon truc, ça sera de mettre des blocs de fer absolument partout dans. Ouais, non, en fait, je vais pas me lancer là-dedans parce que ça fera beaucoup de fer. Je vais faire tout en bricks lab, donc. Je vais pas lancer l'industrie de la capote, mais je vais lancer l'industrie de la chaufferie. Ah merde, il faudra. Ok. C'est marrant, dès qu'on est un tout petit peu moins nombreux, ça passe quand même déjà beaucoup mieux au niveau ambiance. Hein. C'est-à-dire que le bordel, ça va bien, mais avec modération, quoi. Bah oui. Ah bah oui. Les poules, puis sont trop profonds, je pourrais pas les tuer. Faut de l'encre. Il faut de l'encre pour ma bannière. Des zombies en full armure, ça fait plaisir. Oh, trop mignon. Toi, tu vas rester avec moi, merci. Des zombies en full armure prêts à nous tuer. Kawaii. Il dévore notre cerveau et puis il joue avec nos entrailles en s'en faisant des colis. Et bon. Quelle horreur. Arrête. Je vais peut-être manquer de boulot. T'inquiète, j'en ai encore. Mais si t'as duré, si quelqu'un a lancé ce squelette. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, et puis merci pour le lit au fait. Ah, un peu d'avance par rapport à Watershock et FMM. Bon bah. Oui. Ah, ça y est, c'est le bébé, ne meurt pas. Donnez-moi votre encre, cool. Je veux de l'encre 3. Bon, ça n'a rien changé en ce qui me concerne, mais. Par contre, ce serait pas mal que ça nous vide notre XP. Yes. Ne serait-ce qu'il y ait pour qu'il y ait qu'une conséquence quoi. Ça nous vide notre XP.
Ça vous va? Vide. C'est beaucoup vide. Enlève 5 levels. Enlève 10 levels, mettons. Ouais, c'est pas mal. Bon bah je vais faire ça off-cam. L'épisode a déjà pas mal duré, bizarrement. Ouais. Plus que pas mal duré là. Ouais, bah du coup. D'accord, il y a un zombie qui m'a. On vous garantit presque. Oh là là, presque. Que c'est le dernier, la dernière partie d'introduction. Le prochain épisode sera l'épisode live de l'inauguration, normalement. Normalement. Aïe. Voilà, je suis un Monster Hunter. Donc du coup, je vous donne rendez-vous normalement pour le début de la série publique. Vous en serez averti par un événement live sur YouTube, donc restez abonné à la chaîne. N'hésitez pas à partager le live pour qu'on ait de futurs potentiels joueurs pour rentrer dans notre communauté. Et, non mais c'est buggé. Hein. Likez la vidéo pour la mettre un peu en avant. J'étais dans un bateau, donc du coup ça buggait. Partagez-la, faites tout ce qu'il faut. Vous savez faire, ça nous aide vraiment, sincèrement. Le nombre d'abonnés stagne, s'il vous plaît, pensez à nous, pensez à la YouTube Monnaie. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir, c'était CLB. Salut. Et d'autres gens. Salut. Et d'autres gens, oui. Ouais. Merci infiniment à vous de regarder les vidéos jusqu'au bout. Pour vous récompenser, je ne vous donne strictement rien, mais ceci dit, je vous recommande tout de même de checker le Twitter. Je vous recommande également d'aller voir le Discord, d'aller voir la vidéo mise à gauche pour apprendre des trucs, rejoindre le serveur tout simplement. Et donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir pour le prochain épisode. C'était CLB.